Bonjour Saint-Esprit, bonjour tout le monde, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que le Seigneur te bénisse du lieu où tu es, que la grâce de Dieu soit sur toi en ce jour dominical. Que la faveur de l'Éternel te soit accordé en ce jour dominical. Que l'Esprit de Dieu te visite là où tu te trouves. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, que la main de Dieu soit sur ta vie. Bonjour Saint-Esprit. Je voudrais ce matin, sans faire trop de discours, bénir une personne en ce jour dominical. Comme je le disais, il y a des personnes qui n'ont pas d'église, mais qui croient en Dieu. Il y a des personnes qui ont été déçues par une église ou des églises, donc qui ne vont plus à l'église. Il y a des personnes qui sont dans un endroit où il n'y a pas d'église. Donc, ils ne peuvent pas aller à l'église. Il y a d'autres personnes même qui travaillent le dimanche. Donc, ils ne peuvent pas aller à l'église. Et il y a des personnes qui sont peut-être malades et qui ne peuvent pas aller à l'église. Nous devons aussi leur apporter la parole. Nous devons aussi leur apporter quelque chose de la part de Dieu en ces jours dominicaux. Donc aujourd'hui, je voudrais par la grâce de Dieu élever encore ma voix ce matin pour bénir une personne, pour bénir une femme, pour bénir un homme. Que toute personne qui va se connecter à ce direct le partage massivement. Mettre des likes et écrivent des Amen, écrivent des Alléluia. Je suis assis devant le trône de Dieu. Je suis toujours dans mon moment de retraite, qui va finir bientôt. Mon moment de retraite, c'est pas forcément un moment de jeûne. C'est un moment de retraite. C'est différent de jeûne. Ça veut dire que pendant ce moment, je peux jeûner, je jeûne, où je peux ne pas jeûner, mais mon cœur, mon âme et mon esprit se retirent de certaines choses pour s'approcher de l'Éternel, pour s'approcher de Dieu, pour que Dieu me parle, pour que Dieu m'oriente. C'est ça la retraite. Je suis assis devant le trône de Dieu et je veux bénir une femme. Je veux bénir un homme. Je voudrais que ce jour soit un jour de bénédiction pour toi. Je voudrais que les soucis, les épreuves, les difficultés que tu as traversées avant ce jour soient simplement du passé pour toi. Que ce que tu as perdu, Dieu te le redonne. Est-ce que tu as perdu de l'argent? Est-ce qu'on t'a escroqué? Est-ce qu'on t'a volé? Est-ce que tu as raté une bonne occasion? Que Dieu le remplace dans ta vie. Que Dieu te le redonne. Que Dieu te repositionne. Je prie qu'une femme soit bénie en ce jour. Qu'un homme soit béni en ce jour. Je prie que l'onction qui est sur ma vie en ce moment touche la vie d'une personne. Je suis venu chasser tout esprit d'échec, tout esprit de blocage, toute puissance de malédiction dans la vie d'une personne. Je suis venu annoncer à une personne qu'il est capable, il est encore capable d'agir pour toi. Celui dont je parle, c'est celui qui a ressuscité Lazare. Lazare était mort après 3 jours. Il a été ressuscité par celui en qui je crois. Celui dont je parle a divisé la mer rouge.
Celui dont je parle a nourri un peuple entier dans le désert. Le Créateur du ciel et de la terre. Il a été connu par nos ancêtres. Il a été connu par nos pères. Aujourd'hui, nous le connaissons. Je veux te dire une chose. Tu n'as pas besoin de l'or. Tu n'as pas besoin de je ne sais pas quoi. Tu as besoin de la bénédiction. C'est la bénédiction qui a enrichi Abraham. C'est la bénédiction qui a changé l'histoire d'Abraham. C'est la bénédiction qui a transformé l'existence d'Abraham. Dieu n'a rien donné à Abraham. Dieu ne lui a pas donné de l'argent. Dieu ne lui a pas donné de l'or. Ce que Dieu a donné à Abraham, c'est la bénédiction. Dieu dit à Abraham, je te bénis. Je te bénis. Je bénis ta descendance. Et je bénis tous ceux qui te béniront. Et je maudis tous ceux qui te maudiront. Et c'est cela qui a changé l'histoire d'Abraham. La bénédiction. La bénédiction. Lorsque tu te lèves le matin et que tu reçois la bénédiction de ton père, de ta mère, la bénédiction de l'Éternel, la bénédiction de ton père spirituel, la bénédiction. C'est pourquoi souvent, prenez l'habitude d'appeler ou de laisser un message à vos pères spirituels. Bonjour papa, comment tu vas? Une parole de bénédiction qui sortira de sa bouche, sois béni mon enfant. Que Dieu te bénisse, c'est quelque chose que tu as reçu. La bénédiction est au-delà de la prière. La prière, c'est pour te maintenir. La prière, c'est pour te connecter à Yahweh. La prière, c'est pour que tu restes connecté 24 heures sur 24 avec Dieu. C'est pour que Dieu soit toujours avec toi. C'est pour que tu puisses aussi grandir spirituellement. Mais la bénédiction, c'est un bagage de grâce. C'est un bagage de richesse, de je ne sais quoi que Dieu te donne. Beaucoup de choses qui ont de la valeur. Ce matin, je veux vous bénir. Il y a une différence entre bénédiction et malédiction. Quand tu es maudit, c'est grave. La malédiction est la mort avant la mort. La malédiction, c'est comme un tombeau ouvert. La malédiction, c'est la mort avant la mort. La malédiction est quelque chose qui tue. Qui détruit. Mais la bénédiction est la chose la plus merveilleuse qu'on peut recevoir. Je vais vous faire un cadeau ce matin. Je veux vous bénir. Je veux bénir toute personne qui m'entend. Que ce soit un homme, une femme, chrétien, musulman, païen, quelle que soit la personne que tu es. À partir du moment où tu vas entendre le son de ma voix, sache que je t'ai béni. Je veux te bénir. Toi qui as eu la grâce, la chance d'entendre ma voix aujourd'hui, que la bénédiction se déverse abondamment sur ta vie. Que le Dieu que je sers avec tant de persévérance te relève de toute situation difficile. Que le Dieu que je sais avec tant de persévérance retire les vêtements de souillure, de malheur, de blocage, de difficulté, de pleurs dans ta vie. Que les pleurs cessent, que l'angoisse cesse. Tu as été trahi,
Que cette trahison se transforme en allégresse, en élévation, en bénédiction. Que ceux qui t'ont trahi, qui t'ont fait du mal, te voient plus élevé. Que ce qu'ils t'ont volé se transforme en bénédiction. Je prophétise aujourd'hui que tu puisses avoir les ailes de l'aigle. Que tu aies les ailes de l'aigle. Et que tu t'envoles de hauteur en hauteur, de grandeur en grandeur, de puissance en puissance, d'autorité en autorité. Que l'onction de Dieu t'environne de la tête jusqu'aux pieds. Je libère une onction dans ta destinée. Et que cette onction transforme ta vie. Aujourd'hui, tu entends ma voix. Que ce que tu cherchais comme bonheur vienne à toi. Que ce que tu cherchais comme réussite vienne à toi. Que l'Éternel t'impose la main. Néhémie a dit, la main de Dieu était sur moi. Que la main de Dieu soit sur toi. 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 Malatobre de Shakamaya. Izento brakachika maloti. Rekumasa adbre karamasa. Likorobobo sante repre. Gro karamata tunjika brotise. Sors de la jungle du malheur. Sors de la jungle des difficultés. Sors de la jungle des épreuves. Que la main favorable de l'Éternel soit sur ta vie. Que l'Éternel renouvelle. Qu'il renouvelle les bonnes choses qu'il t'avait données. Les bonnes choses qui étaient cachées en toi. Si tu avais échoué une fois, deux fois, trois fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois, et même plus que cela, que Dieu aujourd'hui te prenne la main, qui te relève, qui te repositionne, qui te redonne la vigueur, la force, la puissance, l'onction, la grâce, l'abondance, la richesse, au macaro puissant de le prier. J'appelle les anges de la bénédiction qui t'environnent, qui t'encerclent et qui te oignent aujourd'hui, qui te oignent d'une onction fraîche, une onction de grâce, une onction d'allégresse. Oh, vie en paix. Je sens l'onction. Je sens l'onction. Je sens l'onction. Je sens l'onction dans la vie d'une personne. Je prophétise que la percée vous soit donnée aujourd'hui. Que le Seigneur te fasse rencontrer les bonnes personnes. Que la percée te soit accordée. Que là où tu mets les pieds, ce soit la grâce, ce soit l'élévation. Que la percée te soit accordée. Que Dieu te connaisse aux bonnes personnes. Qui te connaisse aux personnes qui changeront ton histoire. Qui te connaisse aux personnes qui changeront ta vie. Que la faveur soit sur ta vie. Que la faveur des hommes soit avec toi. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Que la grâce ne cesse de pleuvoir sur ta vie. Sois inondé de grâce. Psaume 23. Psaume 23. Tu vas répéter après moi. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent.
tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ah! C'est carapré, cassé, cato. Imabro, cassadabra. Zekaro, massa, cassa. Mokarabasi, mokaras. C'est en ce moment que tu dois penser à ce que tu veux. C'est en ce moment que tu dois commencer à penser à tout ce que tu veux que Dieu fasse. Qu'est-ce que tu recherches? Tu veux quoi? L'amour, le mariage, la santé, la délivrance, la guérison, la restauration, la prospérité. Il y a quelque chose que tu veux, que tu désires ardemment. C'est en ce moment précis que tu dois penser. C'est à ce moment précis que tu dois ouvrir les mains et dire, je reçois. Je reçois ma grâce, je reçois ma délivrance, je reçois mon miracle. Oh, alléluia. Maintenant, je vais me diriger dans le monde des ténèbres. Je prends mon bâton de combat. Je prends ma pierre de combat. Je me revêts des vêtements, des armures de guerre. Je me couvre de la gloire de Dieu. Je me positionne devant toute puissance infernale. Tout esprit de méchanceté contre ta vie. Tout esprit de blocage. Tout esprit qui vient assassiner ta grâce, assassiner ta bénédiction. Tout esprit qui vient bloquer ton élévation. Tout esprit d'échec, de recommencement perpétuel, tout esprit qui vient retarder les bonnes choses dans ta vie, tout esprit de mari de nuit, de femme de nuit, tout esprit des eaux, des forêts, des montagnes, des collines, toute puissance qui vit dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, tout esprit infernal, diabolique, qui agit contre ta vie, à ma qualité de oint de Dieu, je paralyse les œufs. Je détruis les yeux. Tout ce qui est fait contre toi est brisé aujourd'hui. Au nom de Jésus. Tout ce qui est fait contre toi est paralysé aujourd'hui. Au nom de Jésus. Je libère l'onction de Dieu sur ta vie. Je libère l'onction de Dieu sur ta destinée. Je prie que ce jour soit un jour nouveau pour toi. Je prie que ce jour soit un jour nouveau pour toi. Ma pro couché karamasi. Je prie que ce jour soit un jour d'allégresse, soit un jour de richesse, un jour d'élévation, un jour de prospérité. Prends ma main. 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 Dis, je reçois la grâce. Je reçois la bénédiction. Je reçois la richesse. Je reçois la prospérité. Je reçois le nouveau départ. Prends ma main. Dis Saint-Esprit, ça commence, je suis avec toi. Dis Saint-Esprit, mon jour de grâce est arrivé. Dis Saint-Esprit, mon jour de bénédiction est arrivé. Oh, alléluia. Prends ma main. Je libère l'onction maintenant
sur toute personne qui m'a entendu, sur toute personne qui m'entend. Je libère l'onction sur votre vie. Et que ce que vous désirez au plus profond de votre cœur vous soit accordé. Que l'Éternel vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Certains d'entre nous se préparent pour aller prier. D'autres n'ont pas d'église. D'autres n'ont pas de pasteur. D'autres n'ont pas un homme de Dieu qui les oriente. Certains sont à la maison à cause de leurs activités, ou à cause de leur famille, ou à cause de quelque chose. Considère que tu as prié aujourd'hui avec moi. Si tu te prépares aussi à aller à l'église, sache que tu as reçu une bénédiction qui t'accompagne aussi à l'église. Maintenant, si tu es déjà à l'église, après l'église, écoute ces paroles de bénédiction, elles te feront du bien. Ça sera encore un supplice. Ça, un supplice. Après la prédication, la bénédiction de ton pasteur, tu recevras encore quelque chose de grand. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu, tous les pasteurs dans le monde entier. Que le Seigneur bénisse toutes les églises dans le monde entier. Qu'il bénisse tous les croyants dans le monde entier. Que l'Esprit de Dieu agisse dans la vie de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Et que Dieu appelle aussi ceux qui ne croient pas à Jésus-Christ. Que le Seigneur se souvienne de chaque âme, de chaque vie. Que le Seigneur se rappelle aujourd'hui des pauvres, des malheureux, des veuves et des orphelins. Que ce jour soit un jour béni pour tous. Que toutes les églises aujourd'hui reçoivent une nouvelle onction, une grâce. Que le Seigneur se révèle, qu'il y ait un réveil, un nouveau réveil dans le corps de Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Passez un très bon dimanche. N'hésitez pas de partager cette vidéo, ce direct, à vos frères et sœurs. Shalom, shalom, shalom.